On va découvrir ce DLC, donc les rêves cachés. Il y a des trucs de zot partout. Ok. Oh. C'est quoi cette mise en scène? Terrifiant, beau, puissant, prince grisote. Vas-y, va vite. Oh, mais il est chaud. Oh, il est chaud, le boss. On va aller changer un petit peu tout ce qu'on a. C'est un vrai zot qu'on combat, c'est plus le petit zot là à la noix. Ah, mais il est chaud. Par contre, la musique est pas mal. Ah, mais attends, il est chaud ce boss. Il est super chaud. Je comprends pas. No!
J'aime pas ce boss. Allez, on va pas rester sur lui, il me fait chier. Je l'aime pas. Alors, pas du tout. Oh, il y a un truc qui me suit. Ah, il y a une espèce de mini-grim qui me suit. L'ascenseur, il y a un mini grim qui me suit. Qu'est-ce que c'est que ce mob? Spécial ce mob. Flamme consumée. C'était spécial ce mob. Bon, on va descendre vers chemin. On va descendre. Il faut que j'aille à vers chemin. On va y aller à partir de la station de la reine.
des bruits dégueulasses, le machin. Il fait strictement rien. Le pigeon là, qui me suit. Oh, ça m'a quand même fait perdre des points de vie, ça m'a pas touché, c'est l'air d'effet qui m'a touché. Par là. Machin devrait être par là. Oh, c'est toujours le même. Dommage, c'est toujours les mêmes modes. Oh, mais il en manque plus qu'un. C'était des larmes. Salut à Aoki-san. Alors. Cité des larmes. J'ai oublié où je vais aller. Et ça, cité des larmes.
J'en suis à récupérer la troisième et dernière flamme pour le DLC Troupe de Grimm. Par là. Ton boss préféré. Bon, on va le faire juste après alors, ton boss préféré. Il est là, ce espèce d'entorché là. Par contre, j'aimerais bien qu'il vienne un peu plus bas. Ah. J'aime pas cet ennemi. Ah oui, tu parles de Grimm. Ah, mais je le tape, je suis sûr que je le tape avant. Ah non, te mets pas dans les pics. Voilà. Bah, normalement j'ai les trois flammes. Théoriquement maintenant on peut accéder à la suite de la quête de Grimm. Très bien, la flamme brûle dans cet enfant. Le maître vous attend. Ouais, c'est bien Grimm, celui qui ressemble à Dracula. Je peux le sentir, la chaleur de la flamme que vous avez rassemblée. Un acte d'ouverture magistrale, l'air bourdonne d'excitation. GL? Je comprends pas ce que veut dire GL. À moins que tu sois juste en fait trompé. Cher enfant, vous avez fait un très bon travail, laissez votre feu brûler de mille feux. Good luck. Ah, d'accord, c'est le combat de boss, c'est ça. Oui, c'est magnifique. L'enfant a changé de la jeunesse oisive, il est devenu un compagnon mortel. Son aide sera sans doute la bienvenue pour traverser ces terres dangereuses. Ne négligez pas notre danse, car elle continue à chasser cette essence dispersée et écarlate. Lorsque l'enfant sera rempli de flammes une fois de plus, vous pouvez retourner sur la scène et la représentation commencera. Or, c'est pas maintenant le combat de boss. Il y a des nouvelles flammes à aller récupérer. Ah, toujours 3. Qu'est-ce que j'ai comme charme? Eh bien, comme charme, j'ai le cœur du vide, le dash qui fait du dégât, pour se soigner plus vite, l'héritier de Grimm, la boussole parce que j'ai besoin de me repérer là, et la longue lame pour avoir de la longe. Devrait être juste en dessous le gars à tuer.
Exactement, oui, il envoie des boules de feu maintenant, l'espèce de tétard pigeon qui me suit. C'est ça, il fait du dégât maintenant. Mais bon, il fait pas assez de dégâts pour tuer une mouche, donc c'est pas très utile. Serait par là. Ah, l'ennemi a l'air différent. Il est plus gros. Et plus gros et plus rapide. Petit conseil pour Grim, évite le Shadow Dash amélioré. Généralement, son pattern fera en sorte que ton dash soit en pleine su. D'accord. Pour l'instant, on n'y est pas encore à Grim. On y sera, j'imagine, après ces trois flammes. Voilà, on a eu le premier. Donc le prochain. Plus proche, c'est ici. Donc avec la station du repos éternel, on y sera plus vite. Ça y est, au lac éternel. Ah non, juste avant. Ah, il envoie des boules de feu maintenant, le pigeon. Qui me suit une espèce de mini-grim. Peut-être le garder le mini green finalement. Il a pas l'air très puissant. Alors le prochain il est. Il avait bien un troisième. Ah oui, ici. Donc il faut que j'aille à la station du roi. Oui, dans quel sens? Dans l'autre sens que le mini-grim il est puissant. C'est bien en version finale, d'accord, parce que c'est pas la version finale du mini-grim, d'accord. On va le monter en version finale, j'imagine que pour ça il faut battre Grimm.
Contestation du roi. Non, il y a trois versions, tout d'accord. Oui, là j'autorise le spoil vu que j'ai fini le jeu. Et que le DLC il a pas l'air très très long donc ça va. Maintenant il faut que j'aille juste en dessous. Il y a trois versions. Est-ce qu'il y a aussi trois versions de Grimm? Il y a Grimm, Grimm Maître des Cauchemars, ensuite il y a quoi? Un autre Grimm? Il y a trois Grimm? Pas long, c'est surtout la deuxième version de Grimm qui est chaude. D'accord. Non, juste deux. Bon, deux, c'est déjà beaucoup. Bientôt. Devrait pas être loin. Juste en dessous. Là. Et évidemment, je tombe. Ah ouais, 50 essais. Je dois en être au double pour essayer de tomber Radiance. Et on m'a conseillé de faire ce DLC là avant de tuer Radiance. Enfin, pour me faciliter la tâche de tuer Radiance, on m'a dit de faire ce DLC là. Attends, attends. Allez, mais tu touches-le. Après, fais gaffe car Grimm, tu as deux voies différentes pour terminer la quête. Ça donnera un charme final différent en fonction de ce que tu choisis comme voie. Ah, il y a des choix. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un mauvais choix, il y a un bon choix ou est-ce qu'il y a que des mauvais choix? Oh, il m'énerve ce mob. À se foutre de moi et à me foncer dessus. C'est un troll ce mob. Voilà. Normalement on a les trois. J'imagine que ça va être le combat contre Grimm, donc ça t'a dit que ça servait à rien, ça on va l'enlever. Ça on va devoir le garder j'imagine. Donc voilà. Formidable, formidable, ceux de mon espèce arrivent, le moment est venu. Oh, il m'a piqué le Grimm, le mini Grimm. Dans le deux choix, tu as tué Grimm, roi des cauchemars, ça donne la version finale de mini Grimm, ou parler à un PNJ pour bannir Grimm de ce monde, et en ce cas, tu n'auras plus accès au combat, et tu auras un chemin qui te donnera... Tu auras un charme qui te donnera une chance d'annuler les dégâts. Ouais. Je préfère tuer Grimm et avoir le mini Grimm super fort.
Ce feu brûlant, il contient bien la promesse du rituel. Ah, ça y est, le combat commence. Dansez avec moi, mon ami, la foule s'impatiente. Montrez-leur que vous êtes digne d'un premier rôle. Ok, qu'est-ce qu'il... Oh, la musique, elle est stylée! Là, on est en phase d'apprentissage. C'est normal que je fasse des mauvaises esquives, parce qu'on est en phase d'apprentissage. Première fois qu'on combat Grimm. Je me suis pas spoilé le combat. Ah, il est chaud. Donc déjà, c'est bien, je vais pas pouvoir me soigner. Donc on peut enlever un charme en plus. Voilà. Ça, je vais le garder pour avoir le mini Grimm. Enfin, j'espère que le mini Grimm, il est efficace. Il va vite, Grimm, c'est cool. J'aime bien les boss qui vont vite. J'imagine qu'il va aider le mini Grimm. Enfin, j'espère qu'il peut aider. Ah mais il me le pique en fait mon mini Grimm. Il me le pique, ça sert à rien que je le prenne en fait. Alors ça c'est les patterns comme ça. Oh j'esquive tellement mal ces patterns. D'accord, ça c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Bon, attends, je vais me soigner. Ah, j'arrive pas à esquiver ces petites boules. Mais il me le pique à chaque fois, le mini Grimm. En fait, je peux me soigner quand il se transforme en nuée de chauve-souris. Il me le pique le mini Grimm. Donc en fait j'en ai pas besoin s'il me le pique. À moins que le combat soit plus accessible quand j'ai pas le mini Grimm. Ouais, ce serait logique que le combat soit pas accessible si j'ai pas le mini Grimm. Invulnérable sauf à la magie, d'accord. Quand Grimm se transforme en grosse boule, que de la magie. Et comment ça se fait qu'il s'est transformé en nuée de chauve-souris, le Grimm? Est-ce que c'est un stun? Est-ce que c'est-à-dire qu'il passe en phase 2? Les deux petites boules là, je sais pas comment les esquiver. D'accord, quand il fait ça, il fait les deux. Voilà, ça j'ai appris. Voilà. Et il fait 4 boules de feu. Il a pas l'air très très méchant, Grimm. Ça, je sais pas faire ça. Ah, peut-être en faisant un double saut. C'est juste un stun. Quand elle gonfle, c'est que tu l'as mis 25% de dégâts. Ah ouais, mais en fait, il perd de la vie rapidement, Grimm. Il a pas l'air d'avoir beaucoup tant de points de vie que ça. J'ai quand même enlevé ça pour voir si ça passe. Voir qu'est-ce que je pourrais mettre qui soit utile contre Grimm. Ça coûte 3. Ça. Elle a 1000 HP. C'est une femme, Grimm. Pourtant, il a une voix d'homme. Enfin, une voix.
Il a l'air d'un homme, Grimm, pourtant. Ah ouais, c'est ça. Sans le mini Grimm, le combat il commence pas. Une Grimm, d'accord. Ah, c'est pas son nom, Grimm. D'accord, je pensais que c'était son nom, moi. Alors c'est quoi le nom de la Grimm? Ça pour résister aux boules un peu plus longtemps. Les boules, c'est le seul truc que j'ai pas trop compris comment esquiver. Sinon, le reste, ça va. Et je lui ai déjà mis 25% de points de vie. Alors ça, je sais pas, les boules. Franchement. Ah, mais il s'est TP d'habitude, il se TP pas quand il fait ça. Demi-saut en cercle pour les boules, d'accord. Ben plus ou moins parce que même les petits que tu combats pour les flammes c'est aussi des Grimm, d'accord. Donc le nom de Grimm c'est Grimm. C'est Grimm Grimm. Non en fait je suis bien avec ce que j'ai actuellement. Littéralement pour l'instant Radiant c'est plus facile que Grimm. J'ai pas battu Radiance. Ah, oh, erreur bête. Alors que je lui passe à travers. Colle faux au mur. C'est-à-dire que je me colle au mur quand il fait les petites boules. Mais les boules, elles vont quand même me toucher si je me colle au mur. D'accord. Bon bah je vais essayer de me coller au mur. J'aurai plus de temps pour réagir. D'accord, bon on va voir. Je me prends quand même des dégâts. En fait, en me mettant en dessous, quand il fait les dragons, quand il fait les chauves-souris, il me touche pas. Ça, il me touche pas quand il fait ça. Ah, évidemment je peux pas me soigner. J'ai plus de temps pour réagir, c'est vrai, mais les boules elles vont en diagonale.
l'impression qu'elles me suivent en saut. Mais tu le savais, toi, que les chauves-souris, là, quand il se met. Quand il tend son bras face à toi, les chauves-souris de feu qu'il envoie, elles te touchent pas? Parce que j'ai pas l'impression qu'elles m'aient touché souvent, ces chauves-souris, quand je faisais juste qu'avancer vers lui. À moins que ce soit la frame d'invulnérabilité. Mais je me le suis pas prise tout le temps. Je me le suis pas prise tout le temps, les chauves-souris. Cas, la musique est géniale. Ça, je sais définitivement pas. Ça, je pourrais l'esquiver facilement. Non, là, je vais profiter pour me soigner quand il est stun comme ça. Ah, j'ai trouvé peut-être. J'ai trouvé peut-être une strat là. Ah, dommage. Voilà, ça je lui passe à travers. Ah, dommage. Sauter par-dessus, mettre 3 coups bout à bout. D'accord. Ça va, je trouve que pour un autre essai, là, je m'en suis tiré à peine mieux, mais un petit peu mieux. Saloubra, elle apparaît pas. D'accord. Ben là, pour l'instant, je vais essayer de m'entraîner tout seul à les esquiver. Et ensuite, je regarderai ta vidéo pour m'entraîner. Enfin, pour me faire une idée. Allez, Grim, déclenche le combat. Allez, Dracula. Je me la prends quand même légèrement. Ça, il faut que j'apprenne à rester immobile et pas vouloir le taper. C'est vrai que là il en fait deux. Bon, il m'a eu. Le charisme, il m'a totalement. Il est super charismatique, Grimm. Je sais pas si je vais réussir à le tuer. Je pense pas. Mais on va essayer quand même d'aller un peu plus loin. Est-ce qu'il a une phase 2 ou est-ce qu'il fait tout le temps les mêmes patterns? D'accord, tout le temps les mêmes patterns. Je sais pas esquiver ces boules à la noix. Ah, j'ai un ennemi 5 là. Non, punaise. Ah, je me soigne.
Ah, dommage. Oui, c'est ce que je fais, j'observe. Quand même, ce boss est bien fait. J'ai dashé à travers elle pour esquiver l'attaque qu'elle allait faire. Elle s'est reculée et a fait son attaque. Elle s'est reculée, enfin, pour être de nouveau face à moi, pour attaquer. Donc je peux pas lui dasher au travers. Sauter plus dash, d'accord. Un dash à travers les boules, mais ça passe pas. Après, on l'attaque pas quand il fait ça. Ah, j'ai pas sauté assez vite. Là, je vais mourir. Non, mais c'est pas grave, les fautes d'orthographe. Je suis pas un grammaire nazi. Tu peux faire des fautes d'orthographe. Ouais, c'est ça. Je devrais jouer safe au lieu de vouloir lui mettre deux coups à chaque fois. Elle va se faire les boules, c'est ça. Oh, j'ai peut-être trouvé quelque chose pour esquiver. Pour esquiver. Ça, quand il fait ça, je sais pas. Moi j'avais fait quelque chose de plutôt beau tout à l'heure. Oh mais t'inquiète pas, avec Radiance j'ai appris à taper au bon moment. Hein. Mais alors ça là, ça je sais pas l'esquiver. Ça j'ai oublié de le garder, ça me coûte deux emplacements, c'est pas génial. Ça je sais pas si c'est vraiment utile. Plutôt mettre de la longe, ça me servira. À moins que j'utilise le bouclier. Ouais, le bouclier ça peut être utile. Dash et saute par-dessus après.
Ah, mais non. Ah, mais ça tout de suite moi. Mais punaise, je pas les boules, c'est chauve souris. D'accord. Mais ça ne me sert à rien de régène. Par contre, être plus rapide, ça peut m'aider. Les boules, je sais pas. Elles m'énervent un petit peu les boules. Bah, je vais mourir. Et ben je passerai de voir. Autant j'aime bien les boss rapides, autant les boss trop rapides j'aime moins. Les boules, je comprends pas. Mais non, punaise. Ça, j'ai à peu près compris, c'est juste que je me place très mal. Il est bien ce boss, mais je pense pas que j'arriverai à le battre. J'ai pas envie de me prendre la tête, je me suis déjà assez pris la tête avec Radiance. J'ai pas envie de me prendre la tête avec d'autres boss. Si j'y arrive pas, tant pis. Et c'est pas du défaitisme. C'est du réalisme. Pourquoi est-ce que j'ai essayé de sauter au-dessus de cette boule? Non, les boules, j'y arrive définitivement pas. Et on vient me parler alors que je suis occupé. J'aime bien parce que je précise que je suis en live, mais on vient quand même me parler.
Là, j'avoue que j'ai pas tellement envie que ça de me prendre la tête sur un boss. Là, j'ai tellement joué à Hollow Knight que j'ai plus envie d'apprendre les patterns des boss. Ça, j'ai compris que c'est le principe du jeu. Mais je suis arrivé à un point où je crois que j'ai trop joué à Hollow Knight. En fait, je crois que je commence à saturer un peu de jouer à Hollow Knight. Le jeu est très bien, mais là, je crois que j'ai assez joué au jeu. Ce matin, j'ai passé 2 heures à faire les mantes en radiante. J'ai réussi. Mais je crois que ça m'a. Je stature un petit peu. Radiance, c'est le premier boss qui m'a vraiment opposé de la difficulté. Là, j'ai plus tellement envie que ça de me prendre la tête. J'ai pas envie de combattre Grimm. Grimm me saoule. Grimm me saoule, donc j'allais faire autre chose de plus saoulant. Je vais combattre Radiance. Non, c'est par là pour combattre Radiance. Ah, il faut que je récupère mon fantôme avant. Je pense que Hollow Knight, on arrêtera d'y jouer pour un moment, parce que là j'ai trop joué au jeu. Trop joué au jeu, je commence à en avoir marre. Mais Radiance, c'est le pire boss du jeu confondu, tous les boss confondus pour le moment, pour moi. Ça reste un point de vue, c'est pas la vérité. On m'a déjà dit qu'il y a des boss pires que Radiance, mais pour moi Radiance c'est le pire. Ah oui, c'est bon, j'ai les bons charmes. D'accord, ben je passerai de voir si j'y pense. Normalement, j'y penserai. Là, je vais bourrer Hollow Knight pour arriver plus vite à Radiance. Et à part en stream, à part Hollow Knight, qu'est-ce que tu fais d'autre? Parce que j'ai pas envie de passer ma vie à regarder que du Hollow Knight. Je commence à en avoir marre du jeu, mais marre très très marre.
Ah, Breath of the Wild, là je suis intéressé, mais c'est quoi SSBU? Que je me suis à peine spoilé Breath of the Wild pour garder une surprise quand même si un jour j'ai l'occasion de le faire. J'avais pas vu la colonne de lumière. Soigne mal. Alors je vais juste mettre sur pause pour lire SSB. Ah mais tu m'as pas répondu, d'accord. Je te demanderai en stream, tu as dû partir. Ah. Mais cette boule. Cette boule qui reste à l'infini. SSBU, je connais pas du tout, ça me dit rien. Enfin, je connais pas du moins l'abréviation de SSBU. Peut-être que je connais en fait, mais que je vois pas ce que c'est. Ce serait pas Super Smash Bros Ultimate. Ouais, ça doit être ça. C'est ça, je me disais bien. Ça m'intéresse pas non plus comme jeu. Mais je passerai quand même voir l'occasion quand même. Tu me donnes des conseils, je viendrai quand même te voir. Mais Radiant, je sais que c'est mon placement qui est mauvais. Bien, j'ai réussi à cancel la phase 2. Ah, merci pour le follow, Aoki-san, je pense. Il me semblait que je pensais que tu m'avais déjà follow en fait. Même pas remarqué. En tout cas, merci. C'est quand même des conseils qui sont très utiles, ce que tu me donnes. Que je les avais pas vus. Je vois pas les pics arriver. Je fonce dans la boule bêtement. Je fonce dans les boules bêtement. Mort. Voilà.
Il faut que je mette le téléphone en charge, il va tomber en fin de batterie. Et la manette aussi. Bon alors, je vais brancher tout ça avant qu'on se retrouve en fin de batterie. Partout. Allez. Aucun risque que je tombe en panne de manette en plein live, comme ça m'arrive très souvent. Et mais c'est soit ça, soit je me prenais épique. Mais pourquoi il a fait en avant? Je pensais que j'étais hors du pic.
Thank you.
Ce jeu est fun, mais pas tout le temps. Complètement de l'âme. Voilà.
punaise, j'ai pas fait le dash dans ce sens-là. Ouais non, les coups plus vite j'en ai besoin. Je vais avoir du mal ça. On a posé. Ça m'oblige à faire Hollow Knight en safe et plus en bourrinage. La flemme d'invulnérabilité. Tant pis, je pourrais pas me soigner deux cœurs à la fois. Je me suis pas mis de lame. Thank you.
passe. Bordel. C'est pas fini. Non. Je veux pas mourir. Hors de question. Est-ce que je l'ai eu? Est-ce que c'est enfin fini cette torture? Prends-toi ça. Prends-toi ça, je te latte la gueule. Je te tue tellement. Tu vas mourir. GG. Je l'ai eu. Enfin. Enfin. Oh putain. Ah bah félicitations, c'est clair, pour avoir battu Radiance, félicitations.
Je le mérite amplement. On l'a collé la cinématique avec Champignouf. On l'a déjà vu. Oui, à suivre dans Silk Song. Silk Song. 105%, je m'arrête là. C'était facile. Ce combat restera dans les annales. Allez, faire une pause.